Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau jeu, bienvenue sur un nouveau jeu qui s'appelle Circuit, je pense que vous l'avez tous compris, qui est un petit jeu indépendant créé par le studio Digital Tentacle, donc qui est disponible sur Steam. Je me souviens plus exactement du prix, je vous donnerai un lien pour aller voir le jeu. Donc c'est un tout petit jeu. Vraiment très court, je pense que je ferai une vidéo, peut-être deux, je pense pas que ça durera plus longtemps. Et en fait, je vais commencer tout de suite, donc il n'y a pas d'option hein, dans le jeu, donc le jeu restera en anglais, mais c'est vraiment pas un problème. Donc c'est pas un jeu de plateforme, hein, malgré qu'il y ait une progression par niveau. J'ai fait le premier niveau pour vérifier que tout fonctionnait correctement. Et donc je vais commencer avec le premier niveau, voilà. Alors le but du jeu, c'est un jeu de puzzle. Et en fait le but va être de recréer une musique avec différentes notes. Donc là on a en fait un schéma qui représente le schéma de la musique que l'on doit, que l'on entend et qu'on doit recréer. Et donc en appuyant sur le bouton là, je peux écouter la musique une première fois pour entendre les différents sons. Voilà. Donc c'est une musique très, enfin c'est une musique assez, enfin, assez douce, électronique. Donc je devrais pas avoir de problème de son, de droit d'auteur sur ça. Et donc en fait le but du jeu, c'est de mettre donc ces petits ronds qui sont des ronds qui représentent des bouts de la musique, et il faut les remettre au bon endroit. Donc si je clique sur un cercle, j'ai un son qui est joué et qui correspond à un son de la musique. Si j'appuie sur l'autre, j'ai un autre son. Donc le but, c'est d'écouter la musique, bien reconnaître le son qui est joué au moment où la musique passe sur un de ces cercles et mettre le bon cercle à l'endroit là. Donc là, vu que j'ai déjà fait le niveau une fois, je sais que c'est comme ça. Et quand le circuit est fini, on appuie sur play, la musique va se jouer, et si c'est bon, ça va jusqu'au bout, et donc ça va jusqu'au cercle de fin, donc qui se trouve là. Juste voilà, accélérer un peu. Et donc le but, c'est juste ça. Donc là c'était le premier niveau, donc forcément c'est super facile, c'est juste pour expliquer le principe du jeu. Et après, avec chaque niveau, le jeu va se corser un peu. Donc là, niveau 2, voilà. Alors là, on va écouter une première fois. Intéressant. Y a pas de son. Y a pas de son. Oh, si. Ah oui, oh, ça va pas être facile là pour le coup, parce que c'est des sons qui sont très doux. Ça va être pas facile. Alors, faut que j'arrive juste là. Le deuxième est un peu plus important. Ok. Ça, c'est le troisième. Ça va être le premier. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le premier. Et ça, c'est le deuxième. Voilà. Donc, je vais appuyer sur play. Et puis, au lieu de réécouter la musique, je clique. Comme ça, ça va en turbo. Et normalement, ça doit être bon. Voilà, c'est bon. C'est vraiment un jeu beaucoup plus
Je vais me détendre en faisant le jeu là. Ça va pas du tout être comme les deux précédents. Et ça va me faire du bien. Là, je vais continuer niveau 3. Donc il y a 25 niveaux. C'est tout. Il n'y a pas plus, hein. Alors. D'accord. Alors. Donc maintenant, j'ai cette option qui me permet d'écouter différents sons, enfin différentes pistes sur la chanson. Donc si je, là je suis sélectionné sur la blanche, donc la blanche va me faire jouer tous les sons de la musique. Si vous regardez en bas, vous voyez que j'ai deux cercles jaunes et deux cercles roses. Donc en fait, si je clique sur le rond jaune ici, la musique ne jouera que les sons jaunes. Si je clique sur le rose, que les sons roses. Et en fait, les sons jaunes, si je me trompe pas, peuvent être joués plusieurs fois. Donc je vais juste écouter les jaunes pour le moment. Tu te fiches de moi là? J'ai rien entendu. Ah oui, non, mais c'est normal, je suis bête. C'est moi que je suis bête. C'est moi que je suis bête. Alors, on va écouter. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le premier. Et si je mets la piste rose, j'avance un peu. Ici. Oh, il y a du piano. Petit piano tout doux. Ok. Ça semble le premier. Ouais. Là. Voilà. Je vais appuyer sur play. Avancer. Non, ce que je devrais faire avant, c'est ça. Voilà, comme ça je joue tous les sons. Tiens, on va écouter la musique avec tous les sons. Voilà, donc ça va être des musiques de plus en plus travaillées en fait après chaque niveau. Là déjà ça commence à devenir un peu plus intéressant musicalement parlant. D'ailleurs je vous conseille si possible, j'espère que le son je le garderai assez fort, mais d'écouter la vidéo avec des écouteurs et pas juste avec le son de l'ordi ou des haut-parleurs, mais vraiment de mettre des écouteurs. Et oulala, ça devient plus compliqué. Alors là par contre, je vais écouter le jaune séparément parce que y a beaucoup de sons. Donc déjà, il n'y a qu'une seule fois les sons. Ils ont pas l'air de se répéter. C'est pas mon impression. Ah, du coup, je suis un peu perdu. Ok. Ça y ressemble beaucoup. Non. Non, c'est bien ça le premier et ça c'est le second. Et donc les sons roses. Caisse plus grave. Ouais, c'est de plus en plus grave, donc ça c'est pas très dur. Tintin. Tintin. C'est de plus en plus grave en fait. Comme ça. Ouais, c'est ça. Là, on va tout écouter. Normalement, ça devrait être bon.
Eh ben voilà. C'est bon. Sinon j'aurais été arrêté dans le niveau si j'avais eu une note fausse. J'aurais été arrêté direct et j'aurais dû recommencer. Bon, pour l'instant ça va, c'est vraiment pas compliqué. Là niveau 5. Oh ça se... Tiens alors ça par contre pareil je connais pas. Voilà, là ici on voit. Il y a un petit cercle dans le cercle. C'est Ronception. Et en fait ça veut dire que la note va se répéter. Donc il y en a 4 a priori qui vont se répéter. Ça je connais pas. Donc, il va falloir vraiment que j'écoute. Je vais commencer par le plus simple. Je vais commencer par ça. Et puis on va avancer ici. Il y a de la batterie maintenant. D'accord. Ça, c'est ça. Oh. D'accord, oui, je vois. Alors attends, faut écouter après le s'il y a un coup de batterie ou pas juste après la cymbale. Voilà. Si on écoute, là il y a un petit coup, et donc c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est assez vicelard, mais ouais. D'accord. Bon. Là, je crois que je vais trouver, c'est pas trop compliqué. Fait penser à une musique de Final Fantasy X. Puis là. René la taupe qui chante. Ouais. Trop aigu. Et donc ça, oui. L'autre est trop aigu. On va passer à la piste jaune. Donc là, sans doute, celui-là va se répéter. Je pense, franchement. Voilà, une deuxième fois. Il va falloir vraiment que j'isole juste ce son-là. Trois fois. Ou alors... Oh, non. Oh, ça va être sadique, ça. Oh. Ça ressemble beaucoup au truc du début parce que c'est très doux. D'accord, en fait, non, c'est tout simplement que j'en ai deux à chaque fois. Là, j'en ai... Non. Oui. Non, pas celui-là. Ça. C'est celui-là, et on fait comme ça. Voilà. Et normalement, je crois que j'ai tout mis, donc on écoute. Ça démarre bien. Yes. Et voilà. Donc voilà. Donc ça c'est... C'était facile. Donc je pense que je ferai qu'une seule vidéo, et puis si le jeu vous plaît, n'hésitez pas à le prendre pour faire ça par vous-même. Donc voilà, maintenant j'ai un bouton à indice, et les cercles qui sont mal positionnés
seront marqués pour moi, donc ça c'est sympa. A priori, j'en ai déjà un qui. Donc celui-là est mal placé, donc je vais pouvoir le remettre. Voilà, c'était pour me dire que. Alors par contre, je vois qu'il n'y a qu'un seul cercle, donc je vais faire celui-là. Non, pas là, là. Merci. Alors, on va avancer jusqu'au cercle. Voilà. Normalement, ça devrait pas être trop. Est-ce qu'il y a deux coups avant ou est-ce qu'il y en a trois? C'est ça que je voulais faire gaffe, puis j'ai pas fait gaffe. N'y en a que deux, donc c'est celui-là. C'est pas super compliqué, franchement, comme jeu. Il y en a trois, donc je vais faire ça d'abord. Hop. Ça y ressemble. Ça c'est à mort le ça c'est le troisième. Ah. Non. Ça fait le niveau aquatique de Mario le début. Je trouve. C'est le niveau aquatique dans Mario 64. C'est trop ça. Y a qu'un son, donc ça c'est clair que c'est celui-là. Maintenant, faut que je réécoute le premier. Hop. Bah non. Ah oui, non. J'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est le deuxième qui a. Je commence à être paumé. Je commence à être paumé là dans mon niveau, c'est pas cool. C'est pas le tout doudoudou. C'est juste un petit. Voilà, c'est. Donc c'est pas celui de Mario, donc c'est le plus aigu. Donc déjà ça j'ai complètement faux. Ça non. Voilà, ça c'est clair, c'est ça. Et ça c'est ça. Voilà, je me suis complètement emmêlé les pinceaux. Non, non, stop, 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 stop. Alors. Wow. Daft Punk. Ça mord Daft Punk, ça. Ça ressemble au deuxième que j'ai entendu. Ils se ressemblent tous, c'est une horreur. Ils se ressemblent tous. Ah, c'est celui-là, hein. C'est celui-là. D'accord, c'est celui-là. Le deuxième. Celui-là, on est d'accord. Continue le troisième. Non. 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 Ouais, celui-là. Assez perturbant au niveau des oreilles. Ouais.
C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Je vais faire les deux derniers à la suite. Ouais. Le dernier. Ah bah j'ai pas le choix, tiens. Si je me trompe pas, c'est ça. On va écouter tout. De toute façon, si j'ai faux, c'est juste entre les deux là. Ça va pas ensemble, je trouve. Les deux sont là en même temps. Le piano avec la voix de Daft Punk. Je trouve que ça va pas du tout ensemble. Ah, ça va pas. Je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas ce qu'il leur a pris sur le niveau là. J'ai pas trop envie de l'écouter. Eh bah, c'est bon. Voilà. J'ai trop envie d'écouter la musique là. Je trouve que là, les sons Daft. Eh non! Donc. Celui-là. Et celui-là était faux. Et maintenant je vais aller jusqu'au bout. Et donc j'avais bien confondu les deux. Et voilà. Et voilà. Je m'étais trompé. Donc voilà. Donc ça c'était. C'était circuit. Donc je vous conseille. Je pense pas que ça plaira à tout le monde. Je pense que c'est. C'est un jeu assez particulier, vraiment. Le genre de machin qu'on touche une fois ou deux seulement. Mais ça reste sympa. Donc j'espère au moins que ça vous a plu. Il a l'air d'avoir des sons assez intéressants à écouter. Et pourquoi pas, peut-être que ça plaira à quelqu'un. Et ça me fera vachement plaisir. En tout cas... laissez-moi vos impressions sur la vidéo ou sur le jeu dans les commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la liker si le contenu vous a plu. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça me fera énormément plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut !